Josiane, test pour vous. Rieseux und Müller, intercontinental, MMS 250 watts. Go! N'oublie pas l'accélérateur de pouce. On remarquera que les freins à câble sont déjà trop puissants pour Josie, qui n'arrive pas à freiner sans déraper. Bonjour. On va essayer de ne pas salir les beaux pneus Panaracer tout neufs. Sinon, ça sert à quoi que Panasonic il se décarcasse? Tire à gauche. Au revoir. Ces accélérations fulgurantes sont produites par le Zofo MMS 250. C'est la version 2, donc la gâchette a enfin priorité sur le programme. Très germanique, bien que le cadre vienne de Taïwan. Le tout ému par une batterie Vélowatt. volts, 9,5 ampères-heure, environ 330 watt-heure en stock. Il n'y a pas encore de fou ni de sacoche, mais ça viendra. Un vélo plutôt habile, facile à piloter, un petit peu en appui sur les bras mais pas trop.
et des manivelles raccourcies de 155 mm afin de ne pas avoir les pieds qui traînent par terre et d'épargner les articulations.